Michel, mon ami. Comment faire aujourd'hui un film sur toi sans que cela ébranle notre mémoire meurtrie, ni rouvre nos plaies que le temps, hélas, n'a pas cicatrisées depuis. Rendu à l'évidence, j'allais même abdiquer. Mais en apprenant ce qui est arrivé à ton père, je me suis finalement décidé à aller jusqu'au bout de mon projet. Peu après l'annonce de ta mort, ton père s'en est allé. La douleur a été trop forte. Il est mort, semble-t-il, sans avoir jamais compris ce que tu étais allé faire dans cet Orient lointain, ni pourquoi on t'avait tué. Cette longue nuit sanglante reste un trop lourd cauchemar pour être transmis à ceux qui ne l'ont pas vécu. Parce qu'il y a une part intransmissible, et je crois que cette part impossible à transmettre, eh bien, il faut qu'elle demeure. Seuls ceux qui ont vécu cette tragédie savent exactement ce qui est. Donc, je crois, par respect pour ceux qui sont morts, par respect donc pour Michel, que cette part d'ombre doit rester, et je pense que ce respect n'est rien d'autre finalement que le respect de la vérité. Le soir de notre enlèvement, à la nuit tombante, la Mercedes blanche de nos ravisseurs s'est engouffrée dans un parking souterrain. Derrière nous s'est fermée une trappe pour trois longues années. Et pendant ces trois années de désolation, ça a été un monde d'exclusion, un monde de démence. Le groupe qui nous avait enlevé, le djihad islamique, réclamait une adhésion totale, sans réserve aucune, de tous ses membres et de nous, de ses prisonniers. Et il exigeait obéissance absolue et il prétendait même, par l'intimidation et le secret, contrôler, gouverner nos esprits. Alors, l'uniformité monotone de leurs discours, leur haine de la démocratie, leur admiration pour la force brutale, leur morbidité, leur suspicion, leur identification complète avec l'organisation qui s'accompagnait d'une perte de réalité, eh bien, je crois que tout cela constitue
une régression dont on a déjà aperçu les signes dans notre histoire récente. Michel était un passionné de la mer. C'est là qu'il était heureux. Je me souviens d'un voyage en Crète avec des amis où un jour on avait décidé de faire un repas de poisson avec le poisson que Michel attraperait, bien sûr. Michel suivrait le poisson et moi je suivrais Michel. Pour la pêche sous-marine, il faut être deux. Ce jour-là, on a nagé pendant des heures et des heures. Michel plongeait sans cesse, mais remontait toujours bredouille. Au fond, cette aventure ressemblait un peu à notre relation. Il y avait toujours cette distance entre nous. Michel devant, qui se cherchait, et moi qui cherchais à me rapprocher de lui, à réduire cette distance par notre amitié. Il n'y a pas un jour au CERMOC dans le travail que nous conduisons avec les chercheurs où je ne pense pas à Michel, où il n'est pas là présent pour inspirer une décision, inspirer une idée, servir de référence dans ce travail qu'il occupait au moment de son enlèvement. Il est à la fois présent et évidemment tellement absent que dans cette solitude dans laquelle je me débat depuis sa disparition, j'essaie de le faire venir, de l'impliquer, de lui réserver une place avec nous. Des chercheurs occidentaux qui, finalement, ne veulent voir la réalité qu'à travers le prisme du modèle occidental de la société de classe, et qui supposent, finalement, résolu le problème de l'intégration nationale. C'est ce que nous disait Georges Corme hier à propos de la quotidienneté. Vous ne parlez jamais de la quotidienneté libanaise. Le non-dit, c'était que bon, la quotidienneté, finalement, est libanaise. Et les seigneurs de la guerre sont chrétiens ou musulmans. Pour moi, jusqu'à présent, c'est pas évident. Tu te souviens à quel point ses yeux, son corps, exprimaient la douceur, la pudeur, la réserve? Je me souviens aussi sans doute que à l'intérieur de lui-même, c'est tout le contraire qui se passait. Il y avait comme un feu, une passion qui animait toute sa vie. Presque toute sa vie, parce qu'en fait, ce feu s'est allumé, d'après ce qu'il en disait lui-même, à l'occasion d'un massacre, d'une opération de commando qui se serait passée à Bizerte, là où il était né, en 1961, quand un commando français a attaqué la poste de Bizerte, tous étaient réfugiés, des militants. Et il m'a raconté souvent, à plusieurs reprises et avec beaucoup de détails, à quel point cette scène l'avait marqué. Les traces de sang sur les murs, l'action du commando prenant d'assaut la poste de Bizerte.